Wetlands for the Sustainable Urban Future, because de manière nous sensibilise et nous rend comme besoin de zone humide encore plus important pour qu'il le grand public comprend l'importance de zone humide et aussi qui son rôle y jouer dans l'écosystème. Nous devons faire tout pour qu'on conserve bien sûr cette zone humide qui nous est à Maurice là. Et bien sûr, un moyen, c'est très bonne jeune. Nous avons envie de choisir qui nous ici aujourd'hui au Collège London, que nous mettons tous bonne jeune directement pour conscientiser. Je viens de trouver récemment avec les grosses pluies qui manière, bonne drain bouché, la rivière qui vient en pluie. Et en grande partie parce qu'il y a beaucoup de déchets qui nous trouvent dans la rivière, dans le drain. Il faut voir qu'ils viennent comme viennent wetlands, qui traitent comme un wasteland, que nous traitons comme un dépotoir, nous faisons un comblage et qui finalement, lié au détriment de tout un chacun. Après la saison cyclonique, saison à pluie qui nous commence depuis janvier, nous avons beaucoup de problèmes avec de l'eau accumulée. Est-ce qu'il y a un travail pour réhabiliter les wetlands qui ont demandé souvent par Mégode, par Dimune, par Dédain contre les wetlands? Déjà, nous menons une campagne de réhabilitation. Hein, vous voyez, nous continuons parce qu'il y a une plantation de mangos qui nous fait, de mangliers, pour capable préserver ce bon espace-là. Et alors, tout un site qui est connu ici à Maurice comme les Ramsar Sites, hein, pas plus tard que mardi, il y a l'estuaire de Terre Rouge et un gros travail peut faire. Moi, j'ai envie de faire une visite sur le lieu parce que quand même, c'est le moment un peu pointe là en ce moment que nous avons beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent à Maurice. Josiane a proposé de faire un recensement des wetlands. Est-ce que c'est un travail qui devrait être fait dans les mois à venir? C'est déjà entamé. Il y a déjà un bill, un lieu de travail dessus pour pouvoir identifier et aussi protéger un peu ces wetlands. Les wetlands, il n'y a pas que de rôle pour jouer, surtout en face d'une catastrophe écologique qui nous peut suivre, une catastrophe naturelle qui nous peut subir pour le mois. Mais en plus, pollution de lagon, il renfloue une nappe phréatique et en même temps, il contribue à nous sécuriser en terre parce que, comme tu peux dire, nous avons plusieurs qualités de wetlands. Vous savez, si nous pêchons, nous poissons, nous dirigeons. Une rizière, c'est un wetland. Une boisson aquaculture, quand on fait l'aquaculture, c'est un man-made wetlands. Donc il y a pour autant qui nous projette ça dans le wetland là. Mais un petit peu seulement le tendance à l'échelle mondiale comme Maurice, nous peut perdre nos wetlands. Surtout sur les wetlands qui trouvent nos terres privées parce que nous avons un manque légal. Hein, parce que nous tenons un wetland bill, mais seulement quand ça a laissé l'office, il nous montre qu'il n'est pas qu'à intervenir dans les terres privées. Donc, mais heureusement que nous avons un projet qui peut venir. Et quand nous recrutons un consultant, qui appelle le projet, c'est Integrating Biodiversity the Coastal Zone of Mauritius. Et quand un composant de ce projet-là, c'est pour régler nos wetland bills et comment pour en considération. C'est un problème qui nous gagne le terrain privé. Un événement qui vient de gagner, inondation du cela, nous lui aide davantage pour avec la jeunesse. Et la jeunesse, pour qu'on francise nos parents, nos camarades dans l'endroit, pour qu'ils nous gagnent une île Maurice meilleure. Et chaque année, nous aussi, nous nettoyons les rues de Port-Louis, les environnements, les classes, la cour, pour dire aux enfants aussi qu'il ne faut pas jeter des déchets, il y a des dustbins à utiliser et de le faire à la maison dans leur région. Les wetlands, c'est une partie de la terre qui est couverte avec des lieux. Les animaux sont en service, surtout les oiseaux migrateurs, c'est venu très peu aux autres, les espèces encore, les poissons sont là, c'est un service pour les autres habitats. Et aussi, des plantes là qui couchent à travers l'île, ça aussi nous servit. Et nous avons trois différents types de wetlands. On connaît coastal, inland, après man-made. Maintenant, wetland, les vraiment dangereux, ça va nettoyer les temps là. Du coup, je me fais polluer l'île, je vais être saleté de soie là-dedans. Et je vais fermer de soie là, je vais faire excessive pesticide de soie là, je vais rentrer là-dedans. Et ça, Marie, mais Maurice nous utilise en danger.